avec Charles, nous allons faire des madeleines. Et pas seulement des madeleines, on va rajouter un petit ingrédient, des madeleines au chocolat. Et alors, aussi le madeleine, c'est une gâteau très français. Ouais, c'est super français, les madeleines. Ah non, okay. C'est où ça ? Moi, je sais ce qu'est madeleine. C'est vrai qu'elle s'appelle madeleine. Ok, on présente les ingrédients. Alors, premièrement, il faut 3 œufs. These are from 3 chickens. So one from each chicken. Voilà. Il faut 3 œufs, 100 g de farine. So 100 g of flour. 100 g de sucre. 100 g of sugar. Il faut un zeste de citron. So lemon peel. Lemon zest, un zeste. And a pinch of salt. Une pincée de sel. Et and half a packet. Non, c'est une teaspoon, une cuillère so à one café. One teaspoon of de levure. Baking powder. Une cuillère à café. Okay. Half a teaspoon of baking powder. Et il faut aussi le beurre, c'était 100 g de beurre. But make sure it's melted. Oui, de beurre. And until it's all liquidy. Ok, la première chose à faire, Charles, c'est de mettre le four, d'allumer le four très chaud. Il faut que ce soit très très chaud, à 210 degrés. Ça fait combien en anglais, 210? So 210 Celsius. Yeah, 210 degrés. Allez, hop. Voilà, c'est fait. Donc la première chose, préchauffer le four à 210 degrés. So, ensuite, preheat your oven to 210 Celsius. Dans un saladier, on va tamiser la farine. Tu le fais, Charles? Tiens, moi je fais et toi tu tapes. On tamise la farine. Vas-y. Et ensuite, on ajoute le sucre. Donc ça, on peut l'ajouter. Ensuite, dans un autre saladier, on va casser les œufs. Et il est fondu, donc il est tout liquide comme ça. Hop, on rajoute le beurre fondu. Et tu mélanges avec la cuillère, Charles. With the wooden spoon, tu mélanges. You mix it all together until you can't see the egg anymore. With the egg powder into the bowl. Voilà. Et maintenant, tu mélanges. And now... Je vais rajouter. Make sure you get all the flour. Le citron. Allez, mélange encore. Hop, je rajoute le zeste du citron. La pincée de sel. Voilà. Et est-ce qu'on a mis le sucre? Oui. La farine? Oui. 100 grammes? Oui. Les œufs? Oui. La levure, le paquet, la cuillère de levure? Oui. Le citron? Allez, mélange.
prends un moule à madeleine. Donc ça, c'est un moule, bah, faut en acheter un ou sinon vous pouvez utiliser un moule à cupcake. Et là, on va les remplir. And the secret is... Aux trois quarts. And the secret... On va les faire cuire à 210 pendant à peu près 3 minutes, 3-4 minutes, très très chaud. Et après, on va réduire le four à 180 pendant à peu près 6 minutes. Donc 4 minutes à 210 et 6 minutes à 180. And keep checking on them every 5 minutes just to see how they're getting on. Tu les mets dans le four, Charles ? Ok. Tu fais attention ? Donc, vous vous rappelez, hein, 4 minutes à 210, 6 minutes à 180. On vous retrouve dans 10 minutes. 10 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. Les madeleines. On les compte avant d'arrêter la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Maintenant, il y a 12 madeleines. On va attendre, c'est encore un peu chaud quand même, donc on va encore attendre 5 minutes avant de les démouler. Et après, on va pouvoir les manger. Oh, tu prends celle-là, toi. Et voilà. Tu dis à bientôt. À bientôt. Bon appétit. Bon appétit.